Cette exposition, le début était une commande de la ville de Narbonne pour la cathédrale de Narbonne. Après, elle est allée un peu partout en France. Elle a été exposée à Aix-en-Provence, à Nice, à Lyon. Et la dernière exposition, c'était Notre-Dame de la Garde à Marseille. Tout le monde connaît la Bonne Mère. Voilà. Voilà. Alors, je suis mathicien. On m'a classé comme ça parce que, comme tous les artistes, on a des références. Moi, ma référence, c'est Henri Matisse. Et je suis donc classé comme peintre mathicien. Et puis, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être que vous ne savez pas. C'est qu'Henri Matisse était marié avec sa femme qui s'appelait Amélie. Amélie. Amélie Matisse, regardez les tableaux qu'il a fait de sa femme, c'est des merveilles. Tu ne le savais pas ça? Non. Ah ben tu vois, je t'aurais appris, que c'est la première fois que je t'apprends quelque chose. Et puis c'est ton mari qui me l'a donné le truc. Voilà. Alors donc cette œuvre n'est pas à la vente, parce que quand elle a voyagé, il y avait toujours quelqu'un qui voulait un tableau, un autre ici, un autre là. Alors c'est mon fils qui est en retard, parce qu'il était à Londres, il s'est trompé d'horaire. Donc j'ai parlé de Patrick et Thierry qui ont fait un travail remarquable pendant 2 jours. Ils ont tout installé. Et alors, comme on a séparé, on voulait surtout dire que ce que j'ai trouvé à Palalda, que je ne connaissais pas, c'est merveilleux. Là, la municipalité, on peut dire que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que vraiment, le cadre est très beau, c'est très bien, et il faut vraiment vous féliciter. Alors, si vous allez à Palalda, j'y serai cet après-midi, hein, vers 3h, oui. À peu près. Hein. Là, vous aurez tous les thèmes sur lesquels je travaille. Parce que je travaillais sur des tas de thèmes. Ça peut aller du paysage de Méditerranée à Venise. Vous verrez sur place une très grande fresque. Comme je ne suis pas un écrivain, que j'ai raconté, c'est une fresque autobiographique que vous pourrez voir à Palalda. Une fresque qui est plus grande que le tableau de là-bas, qui doit faire 3 mètres de long. Et puis vous aurez des œuvres très différentes. Ne vous choquez pas, il y a des petits nus, mais il y a des beaux paysages. Cette place est magnifique, il y avait un abreuvoir là, tout ça. Alors j'ai refait le tableau. Sans l'abreuvoir. Tu as vu, je l'ai supprimé. Et j'ai fait le drapeau catalan. C'est dommage, catalan. Je ne sais pas faire pareil, mais bon. J'ai fait le drapeau de catalan, mais il n'y a que 4 bandes rouges. J'en ai fait 5, excusez-moi d'avance. Oh, c'est pas grave. Et puis, en lisant l'histoire de la Catalogne, j'ai découvert qu'une reine de France... Oui, la coupe au Kenzben de catalan. Voilà. Ouais. Et donc, je vais vous le dire... Provençal, venci la coupo, que nous vendi catalan, adhérem benguen en gruppo, louvem pour de nostre sang. Coupo santo, et ver santo, veja plemo, veja miril estambor, et livanti fort. C'est l'hymne national provençal, parce que nous sommes en Occitanie. Mais on nous a pris un peu de pays quand même, hein, parce que moi je suis du Zès, nous on est à la limite, mais on est en Occitanie. Et donc je vais finir par vous dire ben vive la Catalogne. Ah, ça c'est beau. Bisco. Comment tu viens sortir? Très bien. Oh, tu es bon, hein. Alors. Allez, Marie va parler. Alors, maintenant, à côté, sous le préau, nous avons un petit concert qui vous attend. Et ce petit concert est suivi d'un apéritif auquel vous êtes cordialement invité. Il faut juste faire le tour. Hein. Voilà. Voilà. Allons-y. Bravo.